Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui complète le test à l'écrit des nouveaux amplis de Fender, les nouveaux amplis à modélisation, les Mustang GT avec le modèle évidemment GT40, GT100, GT200. On est devant l'ampli, on l'allume tout de suite. Hop, oh, vous voyez, on voit bien l'écran. Alors, quel est le but de ces vidéos C'est tout simplement de présenter un peu l'ergonomie, comment on navigue à travers l'ampli. Euh, voilà, c'est déjà un peu expliqué hein, dans, dans le texte, mais il n'y a rien de mieux que de découvrir. Ça en vidéo. Voilà, c'est allumé. Vous le voyez, on a donc un écran lumineux. Euh, voilà, il est bien lumineux. Il y a des couleurs et vous allez voir, on peut naviguer. Il y a de jolies animations. Je vais arriver à parler ou pas Oui, c'est bon, j'arrive à parler. Alors, on s'y met. Voilà. Il y a les trois couches dont on parle dans le, dans le test. La première couche, vous voyez, avec chacun des boutons pour passer d'une couche à l'autre. La première couche sur les presets. La deuxième couche qui correspond aux amplis, aux effets. Et une troisième couche pour les réglages. Alors évidemment, tout ça doit être complété donc par le potard rotatif. Vous voyez, on est sur la première couche. Avec le potard rotatif, hop, je passe d'un preset à l'autre. Vous le voyez, voilà, comme ça. Tac. sur la deuxième couche et eh bien là euh, c'est pour donc les amplis euh, et les effets donc toujours pareil hein, vous voyez de, de droite à gauche alors là de base j'ai un ampli vous voyez un twin j'ai une petite réverb et puis ce que je peux faire c'est voilà en cliquant sur le plus vous voyez hop je clique sur le potard rotatif et eh ben ajouter d'autres effets ils sont classés hein, vous le voyez euh, en style box, modulation delay, réverb euh, voilà on va prendre par exemple un petit délai comme ça hop un ping pong ensuite je peux choisir vous voyez où je le place c'est l'intérêt hein, c'est qu'on peut modifier la chaîne d'effets alors là voilà on le met à la fin euh, c'est pas c'est pas embêtant parce que même après vous voyez par exemple là la reverb spring et eh bien je peux donc vous voyez la déplacer hop comme ça et puis je peux la mettre avant par exemple voilà donc c'est très complet euh... et évidemment ce qui est intéressant c'est la troisième couche parce que c'est là où on peut vraiment régler les effets, les amplis, etc. Donc je passe sur la troisième couche. Là comme vous voyez j'étais sur l'ampli, et eh bien là j'ai les réglages liés à l'ampli. Alors beaucoup de ces réglages reprennent les potards physiques qu'on trouve, qu trouve sur l'ampli, alors que ce soit le gain, le volume, le treble, le bass. Alors les médiums, vous le savez sur le GT40, il n'y a pas de bouton physique, donc on est obligé de passer par là, hop oh, vous voyez, comme ça par exemple. Je clique et puis là bah, je règle mes médiums. Alors si je vais doucement, vous voyez c'est euh, assez fin. Et puis si je vais plus, voilà, vous voyez là je mets des bons à coups et là on va beaucoup plus vite. Donc ça permet à la fois d'avoir un réglage assez fin des choses mais aussi de ne pas trop s'embêter, de ne pas passer 3 heures dessus. Ce qui est intéressant c'est qu'en plus de ces réglages qui sont quand même, voilà, qu'on retrouve beaucoup sur les, les potards physiques, eh ben on peut... Avoir accès à encore d'autres réglages, vous voyez. Alors là, celui qui était vachement intéressant, c'est le baffle. Il y a plusieurs modélisations, plusieurs simulations de baffles. Donc, on peut les choisir, et ce qui est très cool, c'est qu'on peut choisir aucune de façon à par exemple qu'on utilise la sortie USB ou la sortie directe en XLR. Donc, alors cette sortie directe n'est que sur les modèles 100 et 200. Et ben, on peut utiliser ses propres IR par exemple, ses propres simus qu'on aime bien. Euh, voilà. Alors, hormis le baffle, il y a aussi par exemple, vous voyez, un noise gate, une simulation, vous voyez, du, du petit switch bright pour avoir un son un peu, un peu plus clean. Un peu plus brillant. Euh, même, vous le voyez, on peut il y a une modélisation du, du type, euh, de, le courant en fait, qu'on envoie dans l'ampli, hein, l'alimentation. Euh, il y a aussi un réglage du bias des lampes. Donc voilà, c'est assez complet. Ce qui est cool, c'est que vraiment, euh, à travers ces petits réglages, on va au-delà des potards physiques. Alors, c'est plutôt bien foutu. Euh, regardez, on peut faire la même, hein, évidemment. Vous le voyez, en bas, la troisième couche adapte suivant la modélisation que j'enclenche. Là par exemple on est sur un, le, le delay, le delay ping-pong, et eh bien vous voyez là ça s'est transformé. Alors là il n'y a plus de il y a plus de potard physique, hein. on est obligé de passer par là pour complètement régler euh, notre effet. Vous voyez, hop, comme ça. Alors là par contre, voilà, c'est la même chose, très fin ou très fort d'un coup. Voilà. Hop Et eh ben, écoutez, euh, je crois qu'on a, a fait le point. Comme vous le voyez, euh, c'est quand même assez assez bien foutu, assez lumineux. Les animations sont sympas. Vous voyez même si on utilise les, les, les autres boutons. Voilà, vous retrouvez évidemment hein, toutes les utilités, tous ces boutons dans le test à l'écrit, euh, c'était vraiment pour vous montrer comment, qu'est-ce que ça donne quand c'est animé en fait, c'est un écran, et moi je trouve que c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Voilà, écoutez, bonne lecture, je vous laisse terminer euh, ce test, j'espère qu'il vous plaît, et de toute façon on se retrouve très vite sur AudioFanzine, à bientôt